Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Qu'est-ce que c'est que ça? Rotten Food? Ah la vache, j'ai de la bouffe qui a complètement... qui a complètement pourri en fait. Donc de Starbound 1.0. Corn Seed, d'accord, ça c'est les... D'accord. J'ai de la bouffe qui a complètement pourri. Ok. Question, la bouffe que j'ai mis là-dedans. Starting to smell rotten, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a nécessité de mettre dans un frigo? And keeping it fresh, d'accord. Il y a nécessité que je mette ça dans un frigo. Bon, d'accord, ça met dans l'avance. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer d'aller dans l'émission. Alors voilà, est-ce que l'une des deux est plus simple que l'autre? On va commencer par aller donc dans celle-ci, la Mining Arcus Facility. Hein. Hop, ça charge. Crac. On va aller voir si ici c'est plus simple ou plus difficile. Tous les signes de vie émanent d'une profondeur un peu plus bas par rapport à la surface. Les rapports sont assez difficiles à définir. Je te félicite pour ton courage. D'accord. Ok, merci. Je pense que le fouet serait une très très bonne technique. Avec la lumière. Alors où est-ce que c'est? C'est celui-là, celui-là, celui-là. Voilà. Hop. On soit le mieux possible éclairé. Hop, dites-moi au niveau du son si c'est bon. Hein, normalement, ça devrait toujours être bon. Bien que ça me semble un petit peu fort dans mes oreilles. Viens ici. Parfait. Hop, bah écoute, on va descendre. Cela semble verrouillé. Ah, attendez. Apparemment donc le verrouillage a été fait à cause d'un... A été réalisé, le verrouillage a été lancé entre guillemets si je puis dire. J'aimerais bien récupérer un de ces lits. Je les trouve très très stylés. Ok, on bouffe le craft, parfait. Je les trouve très très stylés ces lits. Vous le savez. Donc il y a une raison, donc maintenant il faut rallumer le l'énergie on va dire. Energize. Il n'y a pas moyen de les avoir justement celle-ci? Bon, je sais plus. Oula, ça n'a pas marché. D'accord, faut que je vise l'ennemi. Ok. Bon. On n'est pas bon. Ah la vache, ils sont balèzes. Ils sont balèzes, chers amis. Je vais devoir faire quelques petites choses pour me heal. Hop. On va s'arrêter là. On en fait une vingtaine très précisément. J'ai détecté les signatures Arcus, chimiques Arcus et humaines et de l'ADN humain dans ces entités. Je comprends pas ce qu'il a dit. Je comprends pas la suite en fait de ce qu'il a dit. C'est dommage. Il y a un endroit par là. On va allumer toutes les lumières passons, par principe. D'accord, il y a une porte là qui était pas là avant. Il y a une porte qui n'a jamais été présente avant, je crois. Ça me dit rien en tout cas. Par contre là, il y a toujours eu cette porte. Hop, voilà. On prend quelques dégâts dans le nez, hein, honnêtement. Il va falloir qu'on fasse vraiment attention. What? Ils ont repop ou...
Hop, allez, venez voir papa. Ils font extrêmement mal. Ok, c'est... Faut alors que je l'enregistre, ça. Oh. Alors ça, le petit coup du... je l'avais vu venir. La téléportation. Je trouve ça un peu méchant. Bon. Quelques pixels. Une corde, un flares. Plus, hein. Je me rappelle plus, on va réutiliser la corde, la corde qu'on a eu, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ok. Ok, non, il y avait rien donc. Dommage, on a gaspillé des cordes. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il va nous falloir de meilleurs équipements. Hein. Ça va être short. Autant vous le dire, ça va être short, chers amis. Est-ce qu'il serait pas justement mieux de caler un bouclier sur notre arme? Hop. Vous voyez, on est plus résistant sur cette map, donc je pense... Oula, ça c'était pas prévu. Hop, on a pris encore une fois masse dégâts. Hop, on l'a eu, mais il nous faut une flèche un truc de flèche entier. Ce qui n'est pas rentable. Salut pote. Salut mon pote. Hop, ça c'est fait. Rien ici. La chaise de bureau est ici d'une barre de fer. Et un PQ. On a quelques PQ, faudra qu'on y pense. Quand on va appuyer sur le bouton, je crois que ça va tomber à nouveau. Merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Oh, il a un joli marteau, le sac. Oh la vache! Je le veux bien, ton marteau, moi. Si jamais un jour t'en veux plus. Hop. Putain, non, le boss, comment que ça va être en bas? Là, rien. Ce fouet me laisse en fait un petit peu... Hop. Hop, les bouffer ça dans le nez. Alors. Là, on peut faire le choix d'avancer tout droit ou de descendre. Nous, on va descendre. Hop. On s'en sort pas si mal. Hop. Hop, ça c'est fait. Oula, non. Il en reste un. Crac. Voilà. Ça c'est bon. On descend. Là, il y a un coffre. Avec une partie de la tenue lunaire. Et donc. Un texte. Il faut que je les garde sur moi. D'accord. Ils ne se consomment pas. Voilà autre chose. Allez, viens voir papa. T'es mauvais. Aïe, crac. Soin. Je peux les one shot avec mon clic droit. Bon à savoir. Non, je prends des dégâts faramineux là par contre. Faut que je fasse attention. Faut vraiment que je fasse attention. Faramineux, moi, Phara. Bref. Juste rapport à la... Ah, il y a encore un truc en haut, j'ai l'impression. Est-ce que ça va éclairer suffisamment loin avec ma torche? Bon, j'ai l'impression qu'il y a rien. Viens me voir. Oh là là, le bruit en plus et l'effet est très particulier. Si c'était blanc et pas rose, ce serait dégueulasse. Si c'était blanc et pas rose, ce serait véritablement dégueulasse. Hop.
Hop, c'est parfait. Hop, rien. Et rien, dommage. J'aurais juré qu'il y avait un truc par là, mais bon, je me trompe peut-être. Ok, bon bah la suite alors. De toute façon, faudra qu'on reprenne par la partie... La vache. Ouf, c'est pas passé loin. Ils font tellement mal. Une pickaxe, pourquoi pas. Une pickaxe vide, enfin une pickaxe c'est un truc vide, c'est dommage. Vas-y, crache-moi ton jus. Dit comme ça, c'est très bizarre. Je veux bien le reconnaître. Alors. Hop. Oui, c'est. Pour moi, je cherchais le blink, mais bon, c'est pas grave. Par réflexe. Oh non, pas toi. T'es vraiment pas doué, par contre. Hein. Allez, on va aller te chercher, mais t'es pas doué. Ok. Kamehameha. Je suis désolé, j'ai la moitié mal à la gorge encore ce matin. C'est chiant. Ah là. Alors, est-ce que je grimpe? Oui, je grimpe. Cool. Hop. Ouh. Je vais peut-être essayer d'aller les sauver quand même. Oula non. Je vais mourir surtout. Vous avez remarqué? Mes PV? Avez-vous vu mes PV? Voilà, merci de manger le truc. Je dois avoir des cocktails Molotov. Mais pas beaucoup. Aïe. Malin. Non. Hop, allez, viens boire. C'est directement ce que je voulais éviter, hein, de perdre plus de PV, mais c'est pas grave. Hashtag je suis pas doué. Doué, pardon. Hop, on va allumer la lumière, c'est pas mal aussi. Les pixels, c'est sympa. Les pixels, c'est la vie. Hop. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, ils sont descendus, je vais aller les rechercher. Ah, le coffre, ça c'est cool. Un casque de mineur. Ok. Ok. Le mining chest. Et la Lunar Base d'or. Blast d'or, pardon. Ils appellent ça. Ok, est-ce que je peux éclairer en dessous avec ça? Oui. Apparemment, il y a un truc. Ok, on va tout allumer, hein, c'est pas grave. Hop. Et surtout, on va aller voir là-haut ce que c'est. Parce que là, ça m'intrigue. Ok, je prends le casque. Astronaute toujours hein. On va aller voir là-haut ce qu'il y a en fait. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis censé y faire en fait? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un intérêt à y aller. Hop, montons. Un levier. Ah oui, les leviers. Oh là là. Oh les leviers, j'avais complètement zappé cette histoire de levier. Oh bah j'espère que je les aurai tous, hein, c'est comme les Pokémon, vaut mieux tous les avoir. Parce que c'est un petit peu l'objectif. Kamehameha. Voilà. Ça c'est fait, par contre, vu le peu de dégâts qu'on fait, on va véritablement chier face aux ennemis qui vont arriver. Si c'est le même principe que l'autre scénario, on va vraiment chier. Ça c'est vraiment bête. On va vraiment avoir des difficultés du coup.
Rien d'autre dans le coin. Non, tombez pas. Ils sont mauvais. Allez, meurs. Voilà, merci. Hop, j'avais pas allumé celle-là. J'allume toutes les consoles, hein, c'est... Ça va être obligatoire. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveauté de mise dans la... Dans cette version du niveau, en fait, simplement. Alors, par là, il n'y a rien. Bon, j'estime que là-haut, il n'y avait rien. Beaucoup trop haut pour qu'il y ait quelque chose, de toute façon. Non. Voilà. Access denied. Kamehameha. Voilà. Hop. Bah alors l'ami. Hop. Donc ça c'est le retour, d'accord. Bon du coup ça m'inquiète parce que j'ai eu qu'un seul levier, je crois qu'il y en avait trois. Hein. Hop. Voilà, ça c'est fait. Une corde supplémentaire. Ici rien du tout. Ici rien. Et ici un truc que j'avais déjà. Ce qui veut dire que je vais potentiellement ne pas avoir tout. C'est dommage. C'est véritablement dommage. Le torse. Avec là aussi un texte. Et pas de levier, pas de levier, pas de levier, pas de levier. Il est vrai que je ne me rappelle plus où est censé être le levier. Ah, l'autre levier. Alors, les relevés d'Hercus ont relevé 94 de rad. Tu es en danger. Ah, tiens! Mon niveau de péril est à environ de 14 607 morts. Mortes. Mort. C'est techniquement c'est la mort, hein, mais le problème c'est qu'il était, il a été traduit le mot, c'est rigolo. Ah oui. C'est bon, je me souviens. Je préférerais ne pas me souvenir. Oh, c'est tout ce que je lui ai fait. On peut se sauver la mise comme ça. Il a une armure en plus le sac hein. Ah quoi que attendez. Et... Raté, t'es mauvais. Je te guac. Oh mon dieu. Ça aurait pu être con cette histoire. Hop. Voilà, problème résolu. Hop, salut les mecs. Ça roupille. Je savais pas que toute la truc est en... Oh, c'est quoi ce matériel? C'est un checkpoint. Oh. Oh, un shotgun. Oh, ça va tellement nous être utile. Ça va tellement nous être utile. Ce shotgun va être véritablement la vie. Hein. Ça va nous changer la vie vis-à-vis de l'arc. Hein. Soyons honnêtes. Ça va véritablement nous changer la vie. Hop. Hop. Bon, il est vraiment mauvais, hein.
Hop. Dégage. Hop. Recharge. Raté, t'es mauvais. On doit recharger complètement. Parfait. Boum. Boum. Vous l'avez dit que ça changerait tout, un shotgun. Un shotgun, c'est véritablement la vie à ces bestioles. Ah, ça fait du bien. De se sentir un peu moins malmené en fait. C'est tout con, mais je peux vous dire que ça change tout. Et le backpack. Voilà. Crac. Tiens, est-ce qu'il nous permet de respirer dans. Est-ce qu'il a une vraie aptitude ou pas? Ça n'aide pas, d'accord. C'est bien marqué que non, il ne t'aidera pas à... Oh, mince. C'est quelque chose dans le coin, non? Il y a clairement un passage, donc... Non. Bon. Ah, la vache. C'est chaud. Y'a rien. Y'a véritablement rien dans le coin, d'accord. C'est juste un endroit où y'a rien à faire. Ok. Ici. Oh, y'a rien. J'aurais juré qu'il y avait quelque chose ici en fait. Ah, je suis vexé. J'ai pas ouvert assez de portails. D'accord, mais je l'avais déjà ce truc là. Et voilà, j'en ai pas ouvert assez. Il y en a un deuxième normalement. Normalement, il y en a deux. D'accord. On va partir à la recherche du deuxième, chers amis. Parce que là, moi, ça me dérange. Ça me dérange, ça me dérange. S'il est pas là, il est où en fait? C'est ça le truc. Je pensais qu'il était là, moi, en dessous. Alors, à la recherche du levier perdu. Hop. Crac. Vérifions les hauteurs. Hein. Non, là c'est fermé. Ça a été refermé derrière. Pourtant, le levier est là. Hein. Le levier est bel et bien là, chers amis. Il faut juste réussir à passer en dessous. Apparemment. Et le levier est là. Hein. Regardez, on le voit ici. Tout juste. On le voit ici. Donc, le levier est là. Ça, c'est certain. Il faut juste réussir à passer. Donc, pour passer, il faut aller. Oh. Ah, moi j'aurais dit que c'était là. Le levier est juste en dessous, on l'a vu. Il est présent. Maintenant il faut réussir à y aller. Il est en dessous de ça. Il faut réussir à aller en dessous. Et il est là. C'est tout con, il est là. Mais comment trouver le passage? Ou alors il y a un truc par là, effectivement. Ah bah oui, il est là. Ah bah écoutez, ça va être beaucoup plus simple que prévu. Ça l'a pas gaspillé, ok, c'est cool. Si, ça l'a gaspillé, la vache. Ah, quelle horreur! Je viens de gaspiller deux trucs. Deux cordes, merde.
Merde, merde, merde. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas l'avoir. Attendez, quoique. Si je pouvais la mettre ici. Oh ! L'impuissance ! Non ! Oui, je peux en faire plein. Je peux en faire 4. Vraiment, je peux en faire plus, non, quand même. Pas grave pour le soin. Je peux faire plus de cordes. C'est tout ce qui importe. Hop. Pourquoi ça veut pas? Ah, parce que je suis plus équipé dessus. D'accord. Hop, allez, on y va les mecs. Non, mais pourquoi ça? Ah, c'est parce que ça, je lâche le bouton sans faire exprès, je crois. Hop. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il lâche? C'est débile. Mais pourquoi tu lâches? Pourquoi est-ce qu'il lâche? Je capte pas, il y a un truc qui va pas, je crois qu'il y a un bug. Il lâche la corde dès que je veux grimper. Alors attendez, parce que là je vais me redonner des fibres, parce que là je capte pas. Ou alors des ropes. Parce que là il y a un véritable bug, je crois. Attendez, je vais vérifier sur internet quand même. Vérifie. Non, donc normalement ça devrait être bon. Donc. Donc c'est bien un bug. Apparemment c'est bien un bug. Je vais aller voir directement sur Starbounder. Donc moi j'aime la, je suis désolé, j'aime la add item slash admin slash comment que ça s'appelle déjà player.add item, non c'est pas ça, non c'est spawn item climbing rope 10, celle que j'avais prise en fait. Pas que je sais pas. Voilà. Alors, on va réessayer quand même, mais moi ça me plaît pas le principe du bug là. Oui, on peut bien grimper, donc y a pas de problème. Pas de problème normalement. Ok, on y va. Se soigne un petit coup. Oh. Ah mais pourquoi? Attendez, dès que j'appuie sur Z, il change de main. C'est un bug de binding. Contrôle. Move up. Toolbar. Ah d'accord, deselect ends. Voilà. C'était ça. Oh là là. Mince, par contre, faut que j'y arrive maintenant. Hop. Voilà. Donc c'est simplement un bug de binding, excusez-moi, c'est ma faute. Ok, je crois que c'était un bug, mais non. Hop, parfait. Bon, on a réussi. Bon, en trichant, oui et non, c'était simplement parce que c'était un bug qui n'était pas corrigé par moi, en fait, simplement, si je puis dire. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait ça. Cela dit, parce que bon, ça revient, la recherche était faite, la capacité était là, mais pas le... Oula. J'ai complètement oublié ce que c'était, n'empêche. Hein.
Un coffre. Un coffre avec... un truc bizarre, une roue de traduction. Une roue de traduction. Alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un objet à la con, mais pas à ça. D'accord, bah, écoutez, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Bon, c'est pas grave. On y va. Cette fois-ci. Sans un rat, le président de Péril Isabelle a 18 472 morts. Ok. Oh, t'es vraiment pas, elle parle à l'IA. Oh là! Eh, c'est un peu pute ça! D'accord, c'est bien, les bien le boss. Oula. Ok, on va y aller comme ça. Hop, bouf. Les dégâts conventionnels ne lui feront rien. Hop, ça refait demi-tour. Faudra utiliser quelque chose d'un peu plus violent. Dis-moi pas que tu reviens. Voilà, merci. On voit ses copains en plus, là, autre chose. Aïe. Faudrait qu'elle leur fasse des dégâts à ses copains aussi. Hop. Hop. Je me soigne pas assez vite en plus. Boum. Hop, normalement ici il devrait être bon. Il devrait être safe. Ok, c'était pas ce qui était prévu. Je l'admets. Je l'admets. Oui. Allez. Ok, bon. On va devoir attendre. Je peux ressortir le shotgun, remarque. Parfait. C'était là. Oui. Bouf. On a sauvé le bonhomme. Boum. Phew. Oui, je me débrouille bien tout seul. Merci. Il y a un coffre là-haut. Tu devrais le prendre, ce qu'il y a dedans. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors, une pauvre dague moisie. Un fusil d'assaut qui fait énergie lance. D'accord, ça me plaît. 1000 pixels, un diamant. Qu'est-ce que c'est? Un codex. D'accord. Un diamant et le fusil d'assaut. Que je vais placer ici. Hop. Ok, cool. Allez, mine. J'ai mis des cristaux d'Hercus. Parfait. Ok. Bon, j'espère que le coup de donner des commandes. Des cordes ne vous aura pas dérangé. Parce que franchement, là je pouvais pas imaginer qu'il y avait ce genre de bug. Enfin, ce genre de touche en fait sur le Z. Mais enfin bon. C'est vrai que le jeu ne prévient pas quand on change les touches si elles sont encore occupées. J'aurais dû le voir venir. Mais bon. Pouh. Eh ben, on aura chié. Alors, est-ce que on pourrait pas enchaîner dans le prochain épisode, je pense, avec l'autre bonhomme? J'ai combien de pixels au passage? 5800. Destroyed when broken, ouais, d'accord. Ok, donc c'est pas la peine pour ça, j'ai pas envie de le gaspiller. Blink dash, il en faut 8. Wall jump, 8. C'est 8 partout, d'accord, ok. Est-ce qu'on a des trucs qui sont ouverts? Oui, le frog furnishing s'est ouvert déjà. Colony deed. Furnitures, d'accord, featured, retro chair, d'accord, ok. Ah, ils ont refait des... Oh, génial, ils ont tout refait en... du coup, est-ce que je pourrais pas acheter genre un... Non. Un frigo, je voulais acheter un frigo en fait. Eh. Mais non.
Dommage. J'aurais adoré acheter un frigo en fait, ça m'aurait carrément aidé. Ça m'aurait carrément aidé. Tungstène, t'en vends pas du tout. C'est parfait, c'était juste pour voir. Elle est arrivée au shop aussi. Et le Terramart est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a au Terramart? Shipments? What the fuck? Ah, je peux leur vendre des choses directement de ces trucs-là, d'accord. Des œufs? Ah, batterie, des œufs. Mushi Produce Milks, d'accord. Plant Fibers, d'accord, génial. Scorched Cores, d'accord. Venom Samples, oh c'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial, j'adore. J'adore ce jeu, ce jeu est complètement épique. En gros, là on peut obtenir tout ce qu'on veut, enfin sur plein de choses qu'on doit récupérer à certains moments dans le jeu. Et juste comme ça. D'accord, merci le jeu, c'est génial. Ce que vous faites, c'est génial. Vous voyez par exemple on peut récupérer de ça qui peut être vachement pratique, les AA batteries. Synthetic Materials, oh là 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 là. Je vais craquer pour ce jeu mais d'une violence. Ok, bon bah c'est intéressant. C'est intéressant, en plus on a une super tenue maintenant. On a juste une super tenue. Faudra juste que je refarme 2-3 petites choses pour pouvoir m'assurer que je peux repartir tranquillement. Mais, veux-tu bien réparer mon vaisseau? Ah! Merci. Merci, merci. Bon, c'est cool. On a donc un vaisseau complètement réparé. On a obtenu un upgrade module, d'accord. Mais on va quand même aller voir le vaisseau qui est réparé, parce que maintenant qu'il doit être tout beau, tout propre, ça peut être sympa. Alors, montre-moi. Ah, oh, ça c'est beau. Ça c'est du vaisseau. Alors là. Intéressant. Le carburant Hercules pour ton FSD peut être miné sur les lunes. Il devrait être noté que depuis la destruction de la Terre, toutes les lunes scannées ont montré des signes étranges et assez dangereux. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc ça tombe bien, on a une lune juste à côté. Mais il va nous manquer quelque chose. Il va nous manquer donc là déjà bookmarks. Première. Ah, le E veut pas, d'accord. Planète. Hop, je sais plus écrire planète, ça devient grave. Ça devient extrêmement grave. Ok. Voilà ce qu'on peut y trouver. D'accord. Du coup, mon cher ami. Ah bah non, t'es toujours. Ah non, c'est bon. Ok, non, ça va, il est en forme. Bon. On n'a plus de fuel, cela dit. Et vous voyez, no breathable atmosphère. Donc ça veut dire qu'on peut pas respirer sur place. Est-ce qu'on avait pas un truc qui devait justement nous donner un... Non, attendez, je crois que j'avais vu quelque chose plutôt... Ah, je sais plus. On va regarder vite fait. C'est ça. Tungstène, mais j'en ai pas de tungstène. T'es fou. Bon, on verra bien. On verra bien. Tiens, justement, on parle de tungstène. On pourrait peut-être aller voir si dans les autres planètes, il y en a. Et il y en a. D'accord. Génial. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez simplement retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo. Puis j'ai remarqué qu'on trouve pas du tout le truc pour améliorer le vaisseau. Ce qu'il nous demande, vous savez, des fois il nous dit d'aller voir là-bas pour améliorer le vaisseau, mais je pense qu'on va devoir aller voir le bonhomme en fait, simplement, classiquement. Ok, salut !